vous conter une histoire qui s'est passée. Des violences dans l'enfance, enchaînées, répétées. Un camarade humilié, rabaissé, agressé. Dans le pire des cas, ça dure depuis des années. Mais quand ça se répète souvent, c'est du harcèlement. Physique ou moral, c'est grave, c'est important. Les méchancetés répétées, chaque jour interprétées. Quand tu as des drames, tu as toujours évité. Face à ça, toi, qu'est-ce que tu feras? T'es moins complice, tu prendras pas aussi vite. Tu as déjà pensé si jamais ça t'arrivait? T'aurais pas rêvé que quelqu'un puisse venir t'aider? Milan Gréois sans doute, que personne n'écoute. Oublie pas que dénoncer, c'est jamais balancer. Et y'a qu'une seule personne qui peut changer tout ça. Si tu deviens témoin, cette personne c'est toi. Tu dis non, tu dis non, tu dis non, tu dis quoi? Non, harcèlement. Tu dis non, ok, mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas pas risquer ta peau, pas besoin de super-héros. Pas de réplique, pas de violence, tu fais marcher ton cerveau. La seule chose qui m'a caché, qui prend la loi sous le préau. Même en prière morale, dis que c'est pas normal. Mais surtout va en parler, un prof en AED. Les adultes aussi sont là pour stopper la violence. Combattre le harcèlement, c'est casser la loi du silence. Et ton pote, ça en vient. Les bonnes actions, ça se perd. Imagine si c'était ta petite soeur ou petit frère. T'es pas une balance si tu prends mal à la violence. Cet élève de côté a besoin d'être aidé. Tu promets maintenant que tu laisseras plus passer les insultes, les injures, les agressions répétées. Et c'est toi qui construis le monde de demain. À plusieurs, on est plus fort, tu peux changer ton destin. Non harcèlement. Tu dis non, tu dis non, tu dis non, tu dis quoi? Non harcèlement. On laisse pas la violence ruiner la vie des gens. Non harcèlement. Tu dis non, tu dis non, tu dis non, tu fais quoi? Non harcèlement. T'en parles à tes potes, à tes profs, à tes parents.